Yo? Bordel de merde. Bonjour à tous. Je sais pas en ce moment, il y a un problème. Je mets mes informations. Enfin, Steam. Twitch. Je suis obligé de tout remettre. Dès que je lance, ça remet tout ce qui était avant. Bon, de toute façon, on se retrouve pour un nouvel épisode. Hein. Tac. Ça s'est fait, ça s'est fait. Voilà. Ah là, maintenant je suis au bon endroit. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Oui, on continue. Alors, la dernière fois, on avait tué Gigapouf, je crois, ou s'appelle là, Croque-Mou, comme je l'avais appelé. Je ne savais pas son nom. Et bah aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, on va faire de la route. On va essayer d'aller à... Enfin, on va continuer l'aventure, mais on va... Je pense qu'on va arriver sur le... Sur le deuxième mob à tuer. Le deuxième mangeur de monde, comme il l'appelle. Chargement toujours long, mais c'est parce que je mets pas mes jeux sur mon SSD parce que j'ai un SSD, mais il est réservé à un jeu spécialement. Alors, retournez voir Fossile. Et vous? Ah ouais, je suis jamais allé là-bas, d'accord. Je peux. Ah. On va y aller à pied. Hein. Attention à votre équilibre. Alors. De toute façon, on n'a plus besoin d'aller chercher les pièces du robot puisque. Regardez-moi ce récup en plastique qui attend juste que quelqu'un l'utilise. Le récup en bois est très utile dans la fabrication d'objets. Allez, on continue. Ah oui, c'est vrai, faut que j'appuie pour accélérer. Vous avez vu cette bicoque? Il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Ouais. Décidément. Depuis tout à l'heure, enfin, je dirais pas que je parle. Il se passe rien dans. Et j'ai un truc bizarre, c'est dès que je lance un live, je me mets à bailler. C'est qui lui? L'arbre demeure intact, mais nous devons tous changer pour le sauver. Comprends que vous ayez d'autres miaou à fouetter.
Ah ouais, mais il dit rien, il... laver, mais ça... Ah. Et là. Là, une planche à courir. Montez dessus et agitez vos gambettes. Montez dessus et courez aussi vite que possible. Vous êtes rapide comme l'éclair. Ah cool, j'ai attribué meilleur. Ne vous dérobez pas, c'est votre heure de gloire. Vous devez vous concentrer. Hop. Donc apparemment il y aurait d'autres dans le monde. Ouais, c'est cool. Allez, ya. C'est parti. Par contre, bon, j'aime beaucoup le jeu et tout ça, l'ambiance. Je sais pas, j'ai un... Même si c'est du post-apo... C'est vide, y a rien. Je n'ai aucune idée de ce qu'était cet électrodéchet. C'est un Phoenix Ray. Il était... Oh là là. Venir. Le caoutchouc est trop amusant. Il est si flexible. Le caoutchouc. Les bois sont toujours source de promenade. Cet endroit s'appelle un banlieue, parce que c'est là que les gens venaient habiter quand on les mettait au ban de la société. Alors c'est des trucs à récupérer dans la... Ouais, c'est vrai que mon pied de bitch est fort. Il y a des cachettes partout ici.
Ah! Non. À mi-chemin. Ah non, juste quand j'appuie. Le gros en plus, je sais même pas s'il veut me taper dessus, s'il veut taper sur les autres, s'il tape sur les deux. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la reprise. Ouais. C'est vrai que les chargements sont longs. Hein, En plus, petite, ce que j'ai signalé aussi, c'est que tout à l'heure, il y avait une mise à jour de Biomutant. Et j'avais commencé à la faire et ils m'ont dit non, vous avez plus de place sur votre disque. Donc j'ai dû effacer des jeux. Dans un cachot oublié ici. Serait peut-être une bonne idée. Vous vous sentez bien mieux.
Ouais, qu'elles sont. Ce qui s'est passé, mais. Collectionner les bleus ou bien... Revigorant. Oh, ça doit piquer un peu. Vous êtes encore en vie. Oh merde. Mais non. C'est bon, ça m'a saoulé. Je vais faire un technique à la bourrin. Et tant pis pour eux. En plus, il y a un bug ou je ne sais quoi. Si je m'écarte un poil trop loin, bah, y a toute leur vie qui remonte. Ne perdez pas le chemin de la sortie. Ah.
à moitié en vie. Ah, je me suis fait eu. Ça doit faire mal. Moitié de votre vie. Un coup précis. Ça va laisser une cicatrice. J'ai servi. Il y a tellement de choses sous terre. C'est plus qu'une égratignure. Tout feu, tout flamme. Tout ça pour ça. Il est où? Pas une barre pour monter? Rêver. Cet endroit baigné de sérénité est idéal pour vous reposer et reprendre vos forces. Ici, vous pouvez attendre le lever du soleil ou la tombée de la nuit. Ah si.
Les arbres tiennent bon, malgré la fin du monde. Synchronisez les boutons pour le faire fonctionner. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. La devise du radiafour, c'est boum. Vous avez obtenu un truc. Pas exactement ce que vous vouliez, certes, mais en un clin d'œil. Oh là là, il veut... Ah moi je bourrine. Si vous voulez changer le cours des choses, vous devez appréhender toute la gravité de la situation. On me laissait emmerder. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur un rayonnateur du temps d'antan. C'est un appareil capable d'envoyer des rayles humaines. Pourvu qu'il marche encore. On dirait qu'il faut organiser des commandes pour faire bouger le mécanisme. Oh, c'était pas dur. Excellent, ça s'illumine. Ça va, ça trouve des objets. Ah oui, c'est vrai.
poignée un bon coup. Ça devrait l'aider à passer à la vitesse supérieure. Ah, on y arrive. Arbre mon. Le chant d'Yarpe, où l'écho de vos actes résonne plus fort que nulle part ailleurs, sauf quand ce n'est pas le cas. Voilà, on va voir la suite. On va pouvoir me dire où on va aller. Voici l'arbre de vie, l'incarnation même du précepte selon lequel tous les êtres descendent d'un ancêtre commun. Les branches forment des espèces à part entière, et les pousses passées constituent la succession de celles qui se sont éteintes. Les immenses branches de l'arbre produisaient autrefois leurs propres rameaux, un lien entre passé, présent et futur. La représentation de toutes les espèces vivantes et éteintes avec ses merveilleuses ramifications infinies. Nous ne sommes que l'évolution de ceux qui nous ont précédés. Du récup en bois bien solide là-bas. Ne laissez pas votre monture ignorer vos ordres. Voyons voir. Allez. C'est un endroit bien caché, juste en dessous de l'au-dessus. Juste en dessous. Ouais, c'est un vaisseau. Le fossile n'en revient pas du chemin que vous avez parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire. La fin du monde reste gravée dans l'esprit des gens. Vous avez emprunté une voie vous octroyant le pouvoir de détruire ou de sauver tout le monde. Reste à savoir ce que vous ferez d'une telle responsabilité. Il peut sentir que votre cœur bat avec ardeur et reconnaît que la meilleure façon de savoir qui on est, c'est de se consacrer à servir autrui. Pense qu'il est important de se souvenir de qui l'on est et d'où l'on vient. Un être qui n'a pas conscience de son histoire et de ses origines est-elle un arbre sans racines? Il promet d'être là pour vous. Si vous ne savez plus où vous en êtes, allez lui parler sous l'arbre. Le fossile dit qu'il y a un temps pour tout, et qu'à présent, il est inutile de ressasser le passé, car il n'est plus. Vous devriez penser au présent, car c'est là que vous vous trouvez. Il est temps pour vous de définir vos priorités, comme celui qui termine ce qu'il a commencé. Si vous continuez à faire le bien, alors le bien vous suivra. Si le monde prend vraiment fin, il n'y aura nulle part où aller. Il s'est donc préparé au pire et mentionne quelque chose qu'il appelle l'arche. Il espère que vous avez raison. L'aventure continue quoi qu'il arrive, il l'a bien compris. Mais il préférerait que l'arbre survive.
Le fossile dit qu'il n'y a aucune archive précise qui retrace la succession d'événements ayant changé le cours de l'histoire et mis le monde à mal. Il a trouvé des preuves sur l'arche, un vestige d'une crise de plusieurs décennies de contamination ayant imprégné le sol et brisé son essence. La contamination a perturbé ce que l'on appelle Ki énergie, la force vitale qui alimente toute chose vivante ou inanimée. On lui a raconté que le fléau a affecté la génétique de tous les êtres et inversé notre perception de la normalité. Seuls ceux qui se sont adaptés ont évité l'extinction, ce qui prouve qu'il était possible de survivre et de se renouveler. Il comprend votre curiosité pour le vaisseau qui repose au pied de l'arbre. Il précise qu'il a surgi de terre en même temps que tout ce pétrole. L'arche date d'il y a bien longtemps. Et maintenant, après avoir étudié pendant des années les manuels qui s'y trouvaient, il pense avoir compris son fonctionnement. Il y a encore 4 places libres à bord de l'arche. Il espère que vous adjoindrez sagesse à votre compassion lorsque vous choisirez qui sauver si le monde est détruit. Ces places resteront libres et vous pouvez inviter jusqu'à 4 autres personnes à monter avec vous dans l'arche en cas de cataclysme. Alors, place dans l'arche. Quand vous avez terminé toutes les quêtes d'un personnage, vous pouvez lui proposer une des 4 places disponibles dans l'arche. Le sif de votre tribu alliée et le fossile ont déjà leur place réservée. Pour les autres, réfléchissez bien car une fois que vous aurez attribué une place à quelqu'un, vous ne pourrez plus la vie. Suivant votre aura, certains personnages déclineront votre invitation. Le fossile dit que vous n'avez pas chômé à ce qu'il a entendu. Il dit qu'il vous est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais hélas, il a reçu un message urgent de son ami Glop qui vit au sud-est. Le fossile dit qu'il n'est pas certain de vos intentions, mais qu'il espère que vous aiderez Glop. Il dit qu'il vous indiquera la direction générale, mais que c'est à vous qu'il incombe de trouver Glop et de lui fournir ce dont il a besoin. Ça, c'est le bruit de la fin du monde qui approche. Les funestes prémonitions du fossile sont fondées. Il faut faire quelque chose au sujet de ce porc qui pouffe. Le fossile dit que Glob s'inquiète depuis que le mange-monde du sud-est a redoublé d'activité. Il explique que Glob travaille sur un vaisseau capable de surfer sur le glou et d'atteindre le mange-monde, mais qu'il a besoin d'aide pour le terminer. Le fossile vous suggère de partir vers le sud-est au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour lui. Il se demande ce que vous avez en tête. Vous dit no problemo. Alors, si vous trouvez que l'explorateur parle souvent dans votre exploration, de réduire la fréquence des commentaires. Ah ouais, c'est là les emplacements. Ouais, il y a des jeux. Vous sentez cette odeur de moisi? Il est moins beau que le Faucon Millennium. Ah mais non, mais qu'est-ce que je fais, moi ?
Passe TP direct. C'est où que je peux me TP? Bah là. Non. Ça j'avais pas encore découvert. Bon. Je vais sortir de là parce que ça va me casser les noix. Ah bah voilà. Voyage rapide jusqu'à Glope. Glope, 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 Glope. Alors, on va aller l'aider pour affronter un nouveau monstre. Choisir 4 personnes pour aller dans le vaisseau. Je sais pas, moi. Ou peut-être. D'accord, il est là-bas en bas. On va trouver un moyen de descendre. La nuit se retire. La grande forme, ça servira de leçon aux autres. Ouais, non, mais l'autre il m'a cramé le. J'espère qu'on va avoir le bientôt le deltaplane. Parce que ça je pourrais sauter des. Voici la station Batiscaf. C'est là que Barbotte Glope. C'est bien, mais comment? Prudence, cet endroit n'est pas aussi tranquille qu'il en a l'air. Vous sentez ça? Il y a un danger biologique dans les parages. Ah bon?
Ok, là c'était longtemps. Tellement à la recherche de loot. Voyons voir. Ah, je dis à la recherche de loot, mais le loot que je trouve, je les utilise pas donc. Ah, ça. Dit que c'est bon de vous revoir et qu'il s'appelle Glop. Vous vous souvenez peut-être de lui. Il a tenté de vous apprendre à nager il y a bien longtemps. Ah, c'était lui. Glop dit qu'enfant déjà, vous attachiez de l'importance à la droiture. Même à distance, il sent que c'est toujours le cas. Je me souvenais plus. Glop dit que les souvenirs s'effacent à une vitesse folle. Nous sommes tous la somme de nos fragments de souvenirs. Et notre mémoire collective est la seule qui soit capable de raconter toute l'histoire. Il sait qu'on se souvient aisément de lui. Mais comme lui, il n'y en a pas des masses. Il comprend que vous soyez de retour pour vous mesurer à Lupa Lupin. C'est la destinée que vous avez portée en vous toutes ces années. Il dit que la tragédie n'a pas eu raison de votre bienveillance. Qu'elle est toujours là. Aussi vive que lors de votre enfance. L'heure est venue de vous souvenir et de passer aux actes. Votre vie n'appartient qu'à vous. Ne vous contentez pas de l'histoire qu'on vous raconte. Il comprend que vous vouliez vous venger, mais il pense que cela ne vous apportera pas la satisfaction que vous espérez. C'est moi qui ai raison. Vive les ténèbres. Les premiers instincts peuvent être catastrophiques. La décision la plus drôle est toujours la meilleure. La prochaine fois, tâche d'avoir un peu plus de compassion. Oh oui, mes petites ténèbres adorées. A du mal à croire que le monde va s'en tirer et se demande les conséquences que ça aura sur le glou. Merci d'avoir fait tout ce que vous avez pu pour déglouer la saline. Pense que vous allez bien avec les myriades. Vous êtes comme les rayons du soleil sur la saline. Enfin, de retour au glou. Sais qu'hier est déjà oublié, que c'est ce qu'on fait aujourd'hui et demain qui compte. Vous devez mettre le passé de côté, au moins pour l'instant. Il ne peut pas quitter la station Batiscaf, car la pollution a entamé l'isolation de sa combinaison. Vous devez donc rassembler assez de récup pour répabidouiller son Globski en commençant par la vieille caisse à l'extérieur. Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche. Si vous voulez renforcer le Globski avant d'affronter le porc qui pouffe, il faudra faire vite. Il ne risque pas de couler, mais il a besoin d'amélioration pour pouvoir naviguer sur le glou épais et atteindre le port qui pouffe. Le futur est entre vos mains, alors prenez-en soin. Ah. Voilà. Ah, c'est ce que je...
Ah, mine de rien, ça va faire 1 heure qu'on tourne. Peut-être à 5 heures. J'ai un truc à manger avant le... Pardon, j'ai un truc à manger avant le 6. Un goûter à manger avant le 6. Oh, on doit être le... C'est plutôt effroussant comme endroit. On doit être le... Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Des rondelles. Balle dans la tête. Mega punch. Le nec de ultra. Un coup couli coucou. Alors, vous avez trouvé un casse-tête du circuit imprimé. Donc c'est à nouveau. Choisir la lumière. La couleur. J'ai la couleur d'une lumière. Modifier également la lumière adjacente. C'est des... Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. C'est cool qu'ils aient rajouté un nouveau casse-tête. Je pensais qu'il y avait que l'autre en fait.
J'ai rien à récupérer. Alors on continue. Oh, un gros méchant. Opposant, vous avez trouvé la boîte de boîte partout. Ne prétendez pas que c'est une égratignure. Hop. Oh, quel con. Dégueu, un danger biologique. C'est écœurant. Voilà. Après le reste, je suis sûr que ce sera des cosmétiques, des conneries. Comme pour le robot. Du coup, ça, je le ferai pas. Ou alors, je le ferai en off. Parce que la dernière fois, c'est bon. C'est hyper long pour ce que c'est. Le pétrole répandu par les opérations de forage en pleine mer de Toxanol a été propagé par la pluie, contaminant à la fois saline et doucine. Comme nous le savons à présent, ce sont ces effets à long terme sur l'évolution de la faune qui nous ont donné naissance. C'est la vie qui est en jeu. Là, vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Bien! Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau.
Il a finalisé le Globski. Il faudra se passer de blindage, mais vous aurez un grappin, un filet de collecte et surtout un moteur assez puissant pour fendre le glou encore plus au large. Les débris flottent un peu partout sur la saline. Vous aurez besoin d'un appareil adéquat pour vous frayer un chemin, ou tout simplement pour remorquer des trucs. Globe dit que Gizmo a conçu un canon pour le Globski, mais qu'il tire des coins-coins en guise de boulet. Ces machins qui font quick sauront détourner la triple attention du Porky-Pouf le temps que vous preniez position. Le meilleur moyen d'attraper des coins-coins, c'est encore d'aller voir Gloops. Il connaît l'archipel des Salines comme sa poche et sait où ces bestioles aiment faire trempette. Des coins-coins. Ce qui veut dire que vous aurez l'immense honneur d'aller voir Gloops au frêles skiff. Il se fera un plaisir de vous dire où vous pourrez trouver des coins-coins. Il ne peut pas deviner l'invisible. Et Gloops n'est pas bien bavard. Il aime rester dans son coin à siroter. Alors, le Globski se pilote à l'aide des commandes au classique, ouais. Et... D'accord. Un P2. D'accord. Et ça, c'est... Quoi ? Boum ! Cool ! Ce jour sera aussi bien que les autres, ni plus ni moins. Non, on a un truc pour aller sur l'eau. Vu qu'on savait pas trop nager. Et je voulais regarder c'est quoi. Commande d'attaque. D'accord, c'est pour avoir des trucs comme ça. Bah, c'est cool. C'est cool. Ça, c'est frêles skiff. Là où vit Gloops, tout au moins. Parfois, il faut savoir se dépatouiller soi-même. Voyons voir. Chetsuji, ma chihuahua, dit qu'il y a un endroit intéressant pas loin. Personne n'est au courant, mais ne veut pas vraiment en parler maintenant. Vous souhaite de profiter de votre journée. Ne serait pas étonné de vous revoir. C'est cool. Dit qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Vous dit de revenir quand vous voulez. Il est presque sûr d'avoir déjà entendu parler de vous, même si les détails sont un peu flous. Il vous demande si vous n'auriez pas quelque chose à boire sur vous. Dit que c'est à la fois ce qu'on désire le plus et ce qui nous manque le plus. Dit que vous avez une terrible soif de quelque chose. Bon, mauvais, ça reste à voir. Mais il pense que vous avez bu à la coupe du destin et que ça avait un petit goût de reviens-y. Se demande si vous prendriez le temps d'aider un particulier lambda à étancher sa soif. Un petit coup de patte pour un petit coup de gnôle.
Vous êtes du genre serviable, vous allez dire oui. Quoi qu'il en soit, il espère que vous trouverez un moyen de vous humecter le gosier avant que le monde succombe à la sobriété éternelle de l'apocalypse. Il dit que la vie est comme une boisson mystère. Parfois c'est fantastique et parfois dégueulasse. Dans tous les cas, vous n'avez pas d'autre choix que de boire jusqu'à la mort. Bien sûr, c'est tout l'intérêt. Mais on ne peut jamais s'arrêter d'en tester de nouvelles, sinon la vie perd son piquant. Aimerait lever son verre à vous qui avez réparé un peu de ce monde. Respecte le fait que vous essayez toujours d'aider, même si le destin du monde est dur à avaler. Vois pourquoi vous avez rejoint les Myriades. Ils aiment les vers tranquilles, comme vous. Il leur vend des boissons, mais ils se contentent de les boire entre eux. Enfin, qui s'intéresse à eux? Dit que vous seriez aux abois aussi si vous aimiez les trucs forts. Le Mokagloub, le Goulgoul Raoul et, son préféré, le sirop de radium. Celui-là est encore plus costaud qu'avant, maintenant qu'il a été vieilli en fût de camion-citerne. Sans son petit verre, surtout si c'est du sirop de radium, il peut à peine marcher et encore moins réfléchir, sa vivacité d'esprit étant proportionnelle à la quantité de sirop qu'il s'envoie derrière la cravate. C'est pour ça qu'on l'appelle Gloops. La boisson l'aide à oublier qu'il n'y a plus aucun espoir, mais ça ne dure pas éternellement. Quand le soleil se lève le lendemain, le monde est toujours condamné. Dis que c'est ça qui vous fait briller le gosier comme une lanterne. Il dit qu'il a d'autres centres d'intérêt. Par exemple, c'est l'ornithologue officiel autoproclamé de l'archipel des Salines. En dehors d'une bonne boisson fraîche, il y a d'autres moyens d'oublier l'angoisse de cette sombre époque. Et vous avez de la chance. Il peut vous aider. Regardez les osiers voler. Ça détend. Mais ce serait encore mieux si on pouvait les approcher et les toucher, comme les coin-coins. Avec un de ces piafs à malaxer, on est max relax. Ils sont plus doués pour flotter que pour volter. Vous devriez pouvoir en attraper quelques-uns sans avoir besoin de vous faire pousser une paire d'ailes. Bon, maintenant on va localiser le coin des coin-coins. Quoi? Je veux pas. Non, c'est des mines. Votre rythme. Cette histoire parle d'un héros ou d'une héroïne.
Où est quoi, quoi? C'est là le coin des coins. Le creux de coin, c'est loin de tout. Ouh là là, je sais pas si... Ça a pas l'air fun. J'avais pas vu que c'était du sol. Alors. Ah ah, je savais qu'il y avait quelque chose ici. Oh, nouveau! Vous avez trouvé un casse-tête de connectivité. Alors, vous devez brancher le... Attends. Ça marche comment? Ok, j'ai fait n'importe quoi, mais ça marche. Verrouillé. L'heure est venue de tracer votre propre chemin. Critique, zouche.
50%. Ah ouais, mais c'est pas des vrais coins-coins. Des coins-coins en plastique. Des coins-coins de Hitman. Balle. Arme ça. Oh, je vais le prendre pour essayer, mais... coin. Cet endroit pue. C'est verrouillé, j'ai verrouillé. Ah oui. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Bien, le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Ça vaut mille fois mieux qu'un radeau tube. Les trucs. Comme neuf. Oh ouais, j'ai mis. Okay. Oh, de l'électro-déchet, on en trouve rarement. J'ai mon requin maintenant. Et j'ai mon. C'était une belle virée. Ah non, c'est pas là qu'il faut. Je vais lui parler. Hein. Oui, Meltus, énorme Micros. Gloops dit qu'il écluse tout et n'importe quoi au moins une fois tant que c'est potable buvable.
même du carburant pour fusée. Une fois, il a confondu des récipients et il en a vraiment bu. Il a mis plusieurs jours à atterrir. Et qu'il a siphonné une bouteille d'un précieux liquide qui lui manque particulièrement. Du sirop de radium. Il pourrait en vider un camion-citerne entier. Il n'est pas en état d'aller en chercher lui-même. Alors il compte sur votre aide. Allez lui trouver un camion-citerne et ramenez-lui de son précieux sirop de radium. S'il vous plaît. Dit que ça pourrait aussi servir à autre chose, mais qu'il n'y a rien de mieux pour ajouter un zeste de peps dans votre verre. Prends ça, la lumière! Tu ferais vraiment mieux de réfléchir au lieu d'agir à l'instinct. Tu vois, avec les ténèbres, tout est permis. Rappelle-toi qu'on peut toujours trouver une lueur dans les ténèbres. Avec les ténèbres, on a toujours raison. On va faire une petite mission comme ça, on va lui chercher du radio. Il est pas loin son radio. Dit que quitte à regarder tomber les feuilles de l'arbre de vie, autant profiter de ce qu'il nous reste. Chante les louanges du nectar que prépare Fourbi. C'est tellement bon. Il récolte ses ingrédients un peu partout. Ça a étonnamment bon goût. Dit que c'est un mixologue qui fait les meilleures boissons du monde. Dit que ce n'est pas simple de trouver Fourbi, mais que ça en vaut la peine. Ouvrez bien les yeux et vous finirez par le trouver. Achetez-lui vite fait un peu de nectar tant qu'il lui en reste. Espère que vous le trouverez rapidement. De rasoir. Hey, joli tir. Vous n'êtes pas en bonne santé. Bien aiguisé. Ah ah.
Tremblez, vilain. Ouais, je sais, je suis trop puissant. Pas besoin de douche aujourd'hui. Et méchant. Vous êtes en souffrance. Problème réglé. Une bonne estafilade. Ah ah. Je suis trop fort. Les heures filent dans l'obscurité. Ah. Faites jouer vos muscles et ouvrez la trappe. Alors. Ah bah ça y est, c'est fait. Je dirais qu'il y a assez de lumière pour deux. Non, 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 remonte. Non. Bon. Super.
J'en ai profité pour aller chercher mon goûter. C'est une brioche. Ah non, elle est bonne jusque le 28. Ouais, mais je vais la manger. C'est une brioche avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Miam miam. Tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être quelque chose d'important, et pas seulement mes commentaires. Par où on sort ? Y a pas de sortie pour reprendre le pour reprendre la route. Ah, j'avais pas pris. Ah oui, ça avait pas... D'accord. Je dirais qu'il y a assez de lumière pour deux. On va refaire la route. Deux. Super. Ah ouais. Je suis coincé. J'aime pas cette arme. Je vais reprendre mes armes à moi. Voilà. Il faut. Je ne vois pas comment on pourrait s'installer ici. Ah non, mais on va. Ils sont. Thank you.
Mais c'est quoi ces chapeaux, quoi? Les gars. Ils auraient pu mettre un truc. Pas en haut, pas en bas. Merde. Ah bordel. Le bordel. Quoi ça? Oh bordel. C'est du bordel. Tombé. Début. Ouais, depuis le début. Je suis arrivé par ici. Non, là c'est les. Là c'est les méchants. Je suis arrivé par là-bas. J'allais dire, il veut pas monter. Les boutiraques comme celle-là vendaient des tonnes d'articles différents. Mais la plupart ont disparu au fil du temps. Ce pourrait être le début de la fin du monde. Un masque. Sérieux. Bonne terminée. Ok. Ah oui. C'est l'heure de la promenade. Aïe, maman. Gloops dit qu'il veut vous embarquer dans un voyage plein de rire, de joie et d'allégresse. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, un verre pour deux, c'est bien assez. Gloops dit que voir votre museau, c'est comme voir son propre reflet au fond d'un verre vide. On ne s'en lasse pas. Il attend une occasion de se pintoyer le gosier avec impatience et vous allez devoir l'aider. Il se demande même si le sirop ne sera pas encore meilleur maintenant qu'il a vieilli dans une vieille citerne irradiée. Il parie qu'il y a plein d'autres camions-citernes remplis de sirop de radium qui attendent sagement qu'on les siphonne. Vous remercie chaleureusement pour votre aide. Il boira à votre santé quand vous reviendrez. Avance vers la lumière! Oh là, passez vite! Pourquoi tant de précipitation? Pourquoi attendre quand l'objectif est en vue? Et la prudence, alors? En avant, toutes! Allez, clic! Gloops dit que ce n'est pas parce qu'on boit qu'on est dispensé de réfléchir. Il se demande ce que vous avez en tête. Comprends totalement. De quoi? Ouais, bref.
vais faire, moi. Il y a un point juste à côté. Ah mais non, c'est parce que je suis sur l'eau, La vie est un jeu complexe auquel on peut jouer de bien des façons. Voilà, voyage rapide. Ah oui, après les autres trucs, c'est du cosmétique. Comme là, le requin, le canard, et d'autres. Là, j'ai trouvé le moteur niveau 2. Je pense que c'est ça qui. Il y a assez de coin-coin pour fournir des munitions infinies au Globe. Ah oui, voilà. Globe dit qu'il était là quand le Porky-Pouf a avalé la jambe du fossile. Du coup, ce mange-monde, c'est une affaire personnelle. Après ça, le fossile s'est servi de sa cervelle plus que de ses jambes et a mis sur pied son plan pour tenir tête au mange-monde. Il a compris qu'il allait falloir des véhicules. Il a l'air heureux de discuter. Votre première rencontre avec la tribu Jagni doit être un souvenir précieux. J'espère vous revoir bientôt. Il a l'air heureux de discuter. Vous souhaite une bonne journée. Voilà. Maintenant, on va aller affronter le monde. C'est le point le plus à droite que j'ai. On va l'attaquer. Il est où là? Oh! C'est quoi ces malandrins là? Moi, hein, les mecs m'ont attaqué. Mais...
aucune raison de craindre que ça explose. Oh. C'est bon. On va essayer d'affronter le monde. Ah, j'ai essayé, mais non. Peut-être pas du premier coup. Backpack. Ça, c'est des mines. Le porc qui le c'est le porc qui bouffe qui grignote l'écorce. Il a pris goût aux choses croustillantes après avoir croqué la jambe du fossile. Ah oui, ok, sa vie elle est illimitée, d'accord. Un truc à faire, mais quoi? Ah, ça y est, je peux le toucher maintenant. Ah, il est re-immortel. Enfin, il est mortel, mais... Accrochez la boomballe et tractez-la sous le monstre. D'accord, c'est à moi d'appuyer.
coin. Envoyez les coin-coin. C'est-tu pas trop mignon? Un gros méchant qui joue avec des coin-coin. Et voilà. On recommence. C'est pas grave, j'avais plus de vie donc. Je sais plus où je vais. Ah voilà, il reste des boucles sur le côté là. Oh non, mais il m'a défoncé. Thank you.
J'en ai marre, je comprends pas, je tire sur ces boules mais je vois pas le. Aucune tombe n'est assez profonde pour vous retenir. Je vois pas le délire. Alors je crois comprendre, mais je suis pas sûr. La bouffe ça. J'ai pris n'importe quoi, tout sauf sentez ça, c'est la brise vivifiante du renouveau. Ne laissez pas passer cette occasion. Oh mais c'est bon.
Non mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est quoi ce délire? Je crois que j'esquive trop tôt. Oh non, il me touche. Ça va pas aller, en plus j'ai plus de soins ni rien, ça va être la guerre. Non mais je suis censé non mais je suis censé esquiver. Je suis censé esquiver, c'est quoi ce délire? Ah ça j'ai oublié de l'esquiver. Mais non, merde. Oh non mais... Oh là là... Ah ouais mais bon c'est un peu de ma faute aussi si j'utilise tous mes soins... J'ai utilisé tous les soins, donc c'était... Ouais, voilà. Et par contre... j'esquive, hein, mais le truc... Tu prends un rocher, regarde la barre que ça enlève. Et moi je lui enlève que dalle. J'ai l'impression qu'en plus c'est son truc, c'est un peu à tête chercheuse donc non j'ai regardé, je voulais voir si je pouvais prendre mon robot mais non. Là j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Oh là là, c'est pas possible. Non mais j'étais en train de rouler. Ouais. J'avoue. Oh non mais là.
Trop de choses dépendent de vous pour que vous disparaissiez. Ah non mais... Il l'a fait trois fois. Super. Merci. Attire. Attends, il tire plus mon truc. Mon pistolet tire plus. Il y a eu un problème dans le... Ah oui, voilà. Ah, il y a eu un bug. Une, deux, trois. Ah non mais le mec qui t'enchaîne les cailloux. Oh non, j'ai roulé. Et ma technique était bien. Non, il m'a attrapé. Et je l'ai tranché.
C'est bon, mais c'est vachement sûr. Il vous remercie d'avoir éliminé un autre mange-monde. Vous êtes à mi-chemin. Il a entendu dire que le fossile a trouvé Lupin Lupin et a le sentiment que votre heure est venue. Il espère que vous avez fini de vous préparer. Bien que vous soyez quelqu'un de bien, vous ne devriez pas rater cette occasion d'affronter le prédateur. Retournez au pied de l'arbre. Espérons que Lupin Lupin restera dans sa tanière en attendant. Vous devez vraiment aller voir le fossile. A entendu dire que vous aviez trouvé le meilleur des planeurs, une arche, et qu'elle est prête à partir. Je suppose que oui. Quelle virée fantastique ça doit être. Marrant que vous ayez trouvé une arche quand vous n'avez plus besoin de vous en servir. Le monde sera toujours là. Dans tous les cas, se réjouis de voir que vous pensez à aider avant de vous échapper. Se demande s'il reste des places dans ce fabuleux planeur qu'est votre arche. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un en gage de reconnaissance... Quoi? Tu n'as besoin de personne d'autre que toi, et moi, bien sûr. Mais moi, je fais partie de toi, donc ça compte pas vraiment. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il n'y a que les ténèbres dont on pourrait amplement se passer. Mais tu sais que tu ne t'en sortiras pas sans moi, même si tu n'aimes pas m'accompagner. Je te complète. Ha! On est enfin d'accord sur quelque chose. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Le mieux, c'est encore d'être bien accompagné en étant seul. A déjà des frissons à l'idée de prendre place dans votre arche. Trop hâte de planer dans les cieux. Glob sait qu'il radote, mais il ne peut pas s'empêcher de vous parler. Dick enfant, vous étiez du genre discret et se réjouit de voir que vous cherchez à progresser. Vous l'avez compris. Le Gigapouf doit son nom à sa taille colossale. Comprends que vous ayez d'autres miaous à fouetter. Dit qu'il vous retrouvera à l'arche. Il veut une dernière chance de dire au revoir au Glou. Glob sait qu'il radote, mais il ne peut pas s'empêcher de vous parler. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Enfin réussi à tuer le monstre. Désolé, je buvais un coup. Rien de tel que la nuit. Pardon. Donc, je vais demander à Gloop de venir parce que je le connais depuis que je suis tout. Pas pourquoi. Il a toujours été gentil. Il m'a offert un jet ski. Il voulait m'apprendre. Le fossile dit qu'il est temps pour vous de faire la paix avec votre passé. Lupin Lupin réside toujours au camp où il a grandi. Il espère que vous y trouverez les réponses que vous cherchez.
Même si les ténèbres font partie intégrante de votre nature, il vous conseille de rester calme, car la colère n'est pas une bonne alliée en cas de combat. Il vous indiquera le chemin à suivre, mais ce sera à vous de faire le reste. Nul ne peut vous accompagner sur cette partie du voyage. Le camp de Lupa Lupin était donc là depuis le début, à peine dissimulé au pied de l'arbre. Le fossile espère que vous y trouverez votre voie, ainsi que les réponses que vous cherchez. Il sait qu'il l'a déjà dit, mais le temps est venu de mettre un terme à la tyrannie de Lupin. Vous devriez vous rendre là-bas pour y affronter votre destin. Ce sera vous contre Lupin, sans règles. Il serait heureux de rendre service. Assure avoir déjà dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Donc, pas de problème. Ok. C'est le moment de la vengeance. Va venger notre papa et notre maman. On peut voir beaucoup plus loin maintenant que le jour s'est levé. Je vais faire le tour. Votre résistance est sans égale. Voilà. Et le camp de Lupa Lupin était donc là depuis le début, à peine dissimulé au pied de l'arbre. À moins que... Je crois que ces montures sont capables de sentir la peur. Avancez à pas de loup. C'est le camp de Lupa Lupin. Thank you.
C'est l'heure de l'avant. Lupa Lupin dit qu'il attend ce moment depuis longtemps. Il voulait vous attirer ici afin que vous voyiez de vos propres yeux là où tout a commencé. Il n'était pas plus haut que 3 pommes quand votre mère et sa bande sont venues tuer sa mère ici. Juste parce qu'elle était différente. Parce qu'elle était une chasseuse. Cette nuit, la chasseuse est devenue proie. Piégée. Acculée. Votre mère n'a fait montre d'aucune pitié. Elle était assoiffée de vengeance. Il voit bien que vous n'êtes pas comme votre mère. Qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Vous auriez peut-être pris une meilleure décision... et les auriez laissés vivre. Il s'est retrouvé orphelin, seul au monde, un paria, un monstre. Depuis ce jour, chaque nuit, il revit cet instant. Donc du coup, t'as voulu me faire la même. Il dit que les actes de votre mère et ses disciples ont eu des conséquences irréversibles. Ce sont eux qui ont créé le monstre qu'il est devenu. Il savait que son heure viendrait, et il était de nature patiente. Aussi, quand il a eu vent de votre naissance, il a immédiatement su comment ourdir une vengeance satisfaisante. C'est pour cette raison qu'il a épargné votre vie. La nuit où il a rasé votre village, quand vous étiez jeune, il voulait vous faire souffrir toute votre vie, comme lui a souffert. Il vous a laissé une cicatrice. Afin de vous reconnaître quand vos routes se croiseraient, et pour que vous vous rappeliez vos origines. Sa faim est devenue dévorante au fil des années. Il a bien essayé d'être végétarien, mais ce n'était pas dans sa nature. Il ne pouvait pas se laisser mourir de faim. Mais il n'a jamais tué pour le simple plaisir de satisfaire son appétit. C'était toujours une question de survie. On ne peut pas nier sa véritable nature. Il suffit d'observer la nature pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. La sélection naturelle élimine les faibles et les forts survivent. Le destin est pour les gens trop faibles pour prendre leur destinée en main. Et il est temps d'accepter la vôtre. Non mais je le tape, ça lui fait rien. Voilà, fin du jeu. Oui, c'est bon. Je crois que j'ai des... De passer... Oh non, on va pas se taper ça à chaque fois. Accessoire, j'ai pas.
c'est... Il vous allait... Mais... Il me frappe au jambon. Ouf. Le problème, c'est que quand je le tape, il... ça lui fait rien, tu sais, c'est... Genre, comme si tu... Je sais pas, moi, tu tapes... Je sais pas, tu le tapes, il... Ça lui fait... Enfin, ça lui fait des dégâts, mais ça lui fait pas de... Je sais pas... Aïe. Donc il peut te taper quand il veut. J'y étais presque. Ah ouais mais...
Je vais faire que du flingue, hein. Oh non, il m'a mis un coup de jambon. Va vite me saouler, lui. Non, bah je vais faire que du gun, hein, et on esquive le cible. Il dit. Ah non, c'est bon. Ouh. Merde, j'ai oublié de recharger. Ça va prendre du temps. Ah, j'ai encore fait la connerie.
rien dans sa maison. Ah oui, mon arme quand j'étais petit, je me rappelle. Oh, voilà. Et on reparle au feu. Je sais pas si ça allait plus vite de me TP ou d'y aller dans le doute. Dans le doute, je me suis TP. Heureusement que vous adorez l'exploration, même sous terre. Le fossile dit que vous n'avez pas chômé, à ce qu'il a entendu. Il dit qu'il vous est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais hélas, il a reçu un message urgent de son ami Noko, qui vit à l'est. Le fossile dit qu'il n'est pas certain de vos intentions, mais qu'il espère que vous aiderez Noko. Il dit qu'il vous indiquera la direction générale, mais que c'est à vous qu'il incombe de trouver Noko et de lui fournir ce dont elle a besoin. Je n'aime pas ce bruit. Le fossile avait vu juste. Il faut arrêter le lapipouf. Le fossile dit que Noko s'inquiète depuis que le mange-monde de l'Est a redoublé d'activité. Il explique que Noko a dressé une monture légendaire et qu'elle compte la chevaucher pour affronter le mange-monde, mais qu'elle a besoin d'aide pour achever ses préparatifs. Le fossile vous suggère de partir vers l'est au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour elle. Il serait heureux de rendre service. As-tu pain sur la planche, donc pas de souci. On va aller jusqu'à Noko, puis on va s'arrêter. On va faire une vidéo plus courte. Mais... Donc... Putain. Allez. C'est l'heure de galoper la crinière au vent. Je dis ouais. Et... Je... Allez jeter un œil à ce récup en plastique là-bas. Ah. Ça a l'air pas mal. Sûrement fabriquer quelque chose de brillant avec ce récup en plastique. La ville, elle a l'air pas mal.
Le vendeur prétend que vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Vous assure que vous ne trouverez pas de meilleure offre ailleurs. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Ouais, bon. Donnez-lui un petit coup de talon. Moi, j'ai les époques 2. Ah, bah, tu vois, voilà, je l'avais trouvé. Il était là. Allez. Par contre, va falloir contourner la ville. Génial. Du récup en bois d'écorce, rien que pour vous. Je fabrique des choses. Je peux récupérer des choses. Qui ça? Parfois, l'esprit crée une illusion dans laquelle il est possible de remonter le temps pour revivre un moment de sa vie. Ok, mon bonhomme est bugué. Sympa, le jeu. Nous regrettons tous des choses qui sont arrivées dans le passé. On peut en venir à s'imaginer en avoir vu ou fait certaines qui n'ont jamais eu lieu. Ouais, c'est long. Mais il ne fait aucun doute que ce dont vous vous souvenez modifie votre futur. Choisissez la fonctionnalité de l'automate dont vous souhaitez vous souvenir. Et le focuseur. Et le banque. Ça fonctionne.
D'accord. C'est bien que vous vous souveniez comment activer l'injection de santé de l'automate. Elle vous sera utile. Ah d'accord. Bon. Les histoires continuent, que vous soyez là pour les écrire ou non. Tout bouquin. J'ai pas réussi à le battre l'autre, mais. Oh merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé pour accélérer et... Comment j'ai fait? Allez, on parle à Yoko et non, on se quittera avant de parler à Yoko. Je vais me mettre juste devant et comme ça, on se retrouvera, on parlera à Yoko, on va tuer le boss. Quand on fera les petites quêtes à côté, on ira le tuer le boss et avec de la chance. On... Un croise-route. Vous avez donc une décision à prendre. De quel côté irez-vous? Tout s'en remet au destin. Le vôtre, le mien, celui du monde. C'est une cabine à drink-drink des temps passés. À l'époque, avant les ondes, on avait besoin de câbles pour transmettre des messages. On dirait qu'il faut faire tourner les poignets pour alimenter le câble. C'est branché. Est prêt à fonctionner. Voilà de quoi se mettre en patte. Électrique. Et donc vite fait hein, mais je vais faire il est vilain. Ah merde, j'ai oublié Boutin, il est où? Hey, Boutin.
Cette région est connue sous le nom de Rulpamous, un endroit rude et dur, comme la pierre. Ça va laisser une cicatrice. Hein? Non mais c'est bon, Le vent se lève. Putain, j'aurais dû tracer comme un gros porc. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais me promener en off, machin, je ferai pas de mission. Faut que je vérifie, faut bien que je. Pour voir si je peux. Comment on appelle ça? Votre monture écoute ce que vous lui dites? Améliorer les armes et tout ça parce que. J'ai l'impression que ton attaque, d'accord, mais si ton arme n'allait pas au level comme la pierre. Alors, avance. Hop, pareil. Ah, l'enclos des biquettes. Noko ne quitte jamais cet endroit. Elle place toujours les êtres vivants au-dessus de tout le reste. Regardez tous ces messages sur le panneau. Dommage que les biquettes ne puissent pas les lire. Vous trouverez peut-être Noko en bagnodant par ici. Elle adore ces foutues biquettes. Quand toute la rincette a disparu, les gens ont commencé à monter des biquettes. Et cette tradition s'est perpétuée. L'énergie alimentée par du carburant polluait le monde, mais ne déféquait pas dans la rue. À l'évidence, il n'avait pas le même sens des priorités dans les temps passés. Faites attention où vous mettez les pattes. Vous trouverez peut-être les traces d'un autre voyageur. Voilà. Voyons voir. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai un peu plus galéré sur les boss que sur le premier boss, mais je pense que c'est un manque d'amélioration de stuff et tout ça. Donc, je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois et pour que ce soit comme ça un peu. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Enfin, pour de l'aventure. À ciao les amis.